Salut à tous, bienvenue sur Carasius Movie. Donc aujourd'hui je vous présente le Garrett Euro Ace, le détecteur de métaux qui tourne à peu près à 300 euros. Voilà, je vous avais présenté dans une autre vidéo le XP ADX 150 qui est un peu plus cher, mais bon, on n'est pas sur la même qualité. Donc là, un bon détecteur, hein, déjà, où vous pouvez faire de la bonne détection. Avec l'écran ici que vous avez pour pouvoir régler la canne avec les trous que vous avez là. D'accord? Vous pouvez régler la longueur. On est sur un disque un peu plus grand que le Garrett 150. Donc c'est un double D. Voilà. Pour les connaisseurs, le DD. Donc, le réglage ainsi que le serrage de notre partie disque se trouve ici. Alors, ça, c'est un inconvénient hein, de chez Garrett. C'est très fragile ici, la partie qui est là. Vous voyez, il faut vraiment faire attention parce que ça arrive qu'on abîme le fil et on use la fiche qui est là, et là, vous êtes obligé de racheter un disque. Donc, dans l'ensemble, un bon appareil. Ce que je reproche un peu, c'est la couleur jaune, contrairement au Garrett ATI Pro qui est noir, ça fait un peu jouer. On est sur une canne télescopique avec un manche en mousse. On a une bonne prise en main quand même, hein. C'est quand même quelque chose qui tient la route. Au niveau cadran, donc je vous fais voir. Voilà notre Garrett Euro S. Alors l'Euro S, pour les connaisseurs, c'est l'équivalent du 350. Hein. Donc on l'allume. Vous avez un bouton ici. On appuie dessus. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc on a le bouton sensibilité qui se trouve ici. Ici, on a les profondeurs. On a les profondeurs, soit 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm et plus. Faut savoir que c'est à titre indicatif. Ce n'est pas spécialement précis. Par contre, quand vous faites une détection, vous êtes à 5 cm, vous vous dites, il n'y a pratiquement rien à creuser. À gauche de votre écran, vous avez le mode Jewelry. En anglais, ça veut dire bijou, custom. Le mode relix, le mode monnaie et le mode zéro. Donc, pour changer les modes, c'est ici. Voilà. Donc, au débarrage, vous pouvez vous mettre sur le mode Jewelry. En haut, vous avez ferreux, non ferreux. Vous savez qu'ici, si vous avez la petite flèche qui se déplace dans ce coin-là, ça va être un objet en ferraille, en fer, en acier. Et non ferreux, effectivement, là, vous savez que ça peut être du cuivre, de l'alu, du laiton, de l'argent, ou pour les plus chanceux, de l'or. Tout ce qui est non ferreux, c'est-à-dire qui ne s'aimante pas. L'idéal, quand vous avez un petit peu de temps, vous trouvez un aimant que vous gardez dans votre poche. C'est un petit truc qu'il faut savoir, comme ça, si vous avez un doute, avec l'aimant, vous êtes tranquille. Donc, la discrim. Là, par exemple, on va se mettre en mode custom. Moi, ce que je vous conseille, c'est ce réglage-là. Custom. Après, vous avez discrimination, c'est-à-dire que vous allez enlever certaines choses. Donc, vous voyez, par exemple, je déplace et j'ai un curseur en haut qui se déplace. Donc, là, vous validez ou vous enlevez. Donc, là, on va mettre, hop, à côté, on valide. On sait que tout ce qui est ici, c'est du non ferreux. Donc l'idéal, si vous voulez par exemple que du cuivre ou vraiment de l'argent ou pour, je vous dis, les plus chanceux de l'or, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre curseur par exemple ici, là on enlève, on enlève, on enlève. Donc là on va aller vraiment sur le non ferreux. Donc là ça va se déclencher vraiment que sur du non ferreux. À côté, vous avez le niveau de batterie. Il faut savoir qu'il fonctionne avec 4 piles d'1,5 V.
une prise casque qui se trouve ici. Hein, c'est un jack. Voilà, vous avez une prise casque qui se trouve ici. Dans l'ensemble, un bon appareil. Hein. Faut savoir que le Garrett 350 ou le Rohe, c'est la même chose. Faut savoir que vous pouvez passer des très très bons moments de détection. Donc vous voyez 4 piles que vous avez. Donc l'idéal, je vous conseille de mettre de la pile rechargeable. Voilà, donc vous refermez. Donc quand vous allez l'acheter, il est livré normalement avec une housse de protection ici. Hein, vous avez une housse de protection. Faites très attention à bien brancher dans le bon sens le serrage de la prise qui se trouve ici. Vous voyez que ça soit bien, la fiche soit bien rentrée. Et vous faites bien attention aussi que votre câble ici ne soit pas abîmé. Donc je vous conseille de bien le nettoyer quand vous avez fini votre détection pour bien conserver le disque propre. Alors l'inconvénient maintenant de ce Garrett Euro S, c'est la canne par exemple. La canne, quand vous allez bouger, ça arrive qu'il y a du jeu ici. Vous voyez cette partie-là, là. Il y a du jeu. Donc, c'est un inconvénient. Alors, certains mettent du scotch pour éviter que ça vibre de trop. Le bruit, le problème, c'est qu'on ne peut pas diminuer le son. Il n'y a pas de potentiomètre de volume. Par contre, au niveau confort, pour la main et le coude, pas de problème. C'est très bien. Voilà, hein, on est sur un appareil bon, qui est tout à fait correct. Voilà, 4 piles. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je vous disais, quand vous l'achetez, il y a une housse imperméable, votre cadran. Mais alors ça, je vous dis, tout ce qui est sur le cadran, bon, rien ne vaut le bruit, quoi. Je veux dire, quand vous pourrez discuter avec beaucoup de gens qui font de la détection, le son fait tout, hein. Vous n'avez même pas besoin, quand vous avez le Deus XP, par exemple, bon, on n'est pas sur le même tarif, mais tout se fait à l'oreille, quoi. Vous prenez un casque, les gens ne regardent pratiquement pas leur cadran d'information. Rien qu'au bruit, vous savez en gros ce que vous pouvez avoir. Faut savoir qu'un bruit toujours aigu, c'est en général pas mal. Un bruit grave, on est sur souvent du ferreux. Donc là, vous pouvez le régler aussi, comme je vous ai dit, ferreux, non ferreux. Donc là, par exemple, on va faire discrim. Là, par exemple, si j'appuie là, hop, il va y avoir du ferreux. Maintenant, vous voyez, les curseurs qui sont là sont en face d'ici. Donc le but, on ne fait pas ça, on ne fait pas de la détection pour trouver des clous ou des éclats d'obus. On reste par là. Voilà. Non ferreux. Ou sinon, vous avez directement des modes tout préfet, le mode Jeverly. Voilà, où là, il prend un peu de métal. Parce qu'il faut savoir que dans certains bijoux, vous avez aussi un petit peu de métal, voire de la ferraille, du fer. Donc pour avoir toutes ces chances, vous pouvez aussi vous mettre en mode Jeverly. Le mode pièce aussi. Le mode coin. Vous voyez. Comme ça. Très simple d'utilisation. Assez efficace. Seul inconvénient, je vous dis, la canne télescopique a tendance à avoir du jeu. Le son aussi. Qui peut être un petit peu stressant. Ça fait un bruit de cloche quand même. Mais bon. Après, vous prenez un casque et puis tout fonctionne. Hein. Voilà, donc je vous ai présenté le Garrett Euro S que vous pouvez avoir à peu près dans les 300 €. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.